arrives à te positionner, là, il te regarde, mais là, t'es exactement dans le même axe que lui. D'accord ? Tu vois, tu te regardes toi. Là, tu fais le top, top, tu te recales et tu poses tranquillement ta question. Ça se passe en deux jours. Le premier jour, on est vraiment à découvrir un peu le matériel de base et puis les connaissances également de basiques pour pouvoir filmer. Nicolas nous a donné pas mal de trucs et astuces déjà pour le tournage. Les outils de tournage sont assez simples puisque là c'est mon téléphone. Bon, c'est vrai qu'avec un micro un peu plus élaboré, on arrive à faire plus de choses. Et la perche, oui, perche, pied, c'est plus simple que de tenir le téléphone juste à la main. Soit tu la prends comme ça. Elle me regarde. Soit je me mets là comme ça. Ah, il faut que je me décale, moi. Et donc, dans la vie, Peut-être que sur ton iPhone, toi. Faire un focus sur le visage. Voilà, tu aurais peut-être dû déplacer le carré sur le visage. Ensuite, on avait une mission. Donc, on a une semaine chez nous, dans notre cadre professionnel, pour finalement réaliser un film, appliquer ce qu'on avait appris une semaine auparavant. Et puis aujourd'hui, c'est le deuxième jour, on va mettre en pratique, on va monter et on va comprendre du coup l'intérêt de ce qu'on a appris il y a une semaine. Et puis aussi apprendre de ses erreurs, parce qu'on se rend compte que c'est tout un apprentissage, c'est une expérience et qu'il y a une vraie valeur derrière. Ce qui est important, c'est de voir le son, parce que tu vois vraiment quand ça démarre. Ce qui m'a plu particulièrement dans ce stage, c'est le fait d'alterner aussi bien la théorie que l'expérimentation. Donc on a toujours été dans ces allées-venues, on nous donne quelque chose d'apprentissage et on va l'appliquer aussitôt. Mais l'intervieweur doit peut-être faire les... C'est vrai qu'en arrivant dans ce stage-là, j'avais plein de pistes possibles sans que ce soit forcément très concret. Maintenant, au fur et à mesure des échanges et des expérimentations, je vois des choses beaucoup plus concrètes, opérationnelles, que je vais pouvoir mettre en place. Et puis ça ouvre sur de nouvelles perspectives aussi, ça ouvre de nouvelles portes. Ah, je me sens largement mieux armée que sans rien. Enfin, j'imaginais même pas d'y aller sans rien, sans formation. Ça correspond à ce que je voulais. Et puis je découvre aussi des nouvelles applications. Donc, vamos, continuons.